Le programme est assez particulier, pas en ce qui concerne la première pièce, qui est une pièce assez, on ne peut pas dire classique, mais conventionnelle. Quant à la deuxième, elle fait appel à de multiples sonorités et à de multiples inventivités de la part des instrumentistes, et elle fait tirer des sons un peu non conventionnels des instruments. La première œuvre est un trio de Bohuslav Martinů, compositeur tchèque, mais qui a longtemps vécu en France, qui était très francophile. Et c'est une œuvre pleine de fraîcheur et de sourire. La deuxième œuvre, Vox Balenae de Crumb, comme disait Isabelle, est une œuvre qui fait appel à des sonorités nouvelles, mais qui est pleine de poésie. C'est une œuvre magnifique. Oui, tout à fait magnifique, avec une ambiance, je dirais presque lunaire, en fait, puisqu'en fait, c'est, bon, c'est plutôt la mer, mais c'est... Océane. C'est océane. Océane, oui, mais pas dans le souffle, on n'entend pas tellement le souffle des vagues. En fait, Crumb, qui est un compositeur américain, est tombé amoureux, si je puis dire, du chant des baleines, qu'il a eu l'occasion d'entendre. Il avait des amis océanographes qui lui avaient fait entendre les sons, puisque maintenant on connaît tout ça, on a vu des reportages, on connaît la façon qu'ont les baleines de communiquer les unes avec les autres, même très loin. Donc tout ça avec des sonars, on avait découvert ça, et Crumb avait été fasciné par ces bruits, par ces sons, et il a donc eu l'idée d'utiliser des instruments classiques, mais d'une façon non conventionnelle, comme vous avez pu l'entendre, avec des tas d'effets qui nécessitent effectivement pas mal de... C'est assez sportif à jouer, dans le sens où il faut aller, pour ce qui est du pianiste, il faut aller chercher des sons dans les cordes, chercher des harmoniques, ce qui n'est pas un travail habituel. Il faut, comme on dit, préparer l'instrument. C'est un prêt de préparer, mais ça donne le résultat absolument poétique et lumineux. En plus, là, vous ne vous rendez pas compte dans l'extrait que nous avons joué pour vous, mais il y a en quelque sorte une mise en scène pour cette œuvre. Nous jouerons dans l'obscurité presque complète, avec juste nos pupitres très légèrement éclairées. Nous porterons des masques en plus pour qu'on ne voit pas l'expression de nos visages. Nous nous identifions à la faune sous-marine. Et ça rajoute un effet un peu magique, un peu hors du temps, et qui est assez surprenant et pour nous très agréable à jouer, puisque c'est une pièce qui est très très bien écrite pour nos instruments et qui vraiment a un rendu, on se croirait vraiment dans un... Oui, peut-être sur la Lune, dans un aquarium, enfin, on ne sait pas. Est-ce que c'est la première fois que vous les produisez ensemble ou pas? C'est la première fois, oui. Et sinon, individuellement, c'est... Moi, j'ai eu l'occasion de jouer une fois cette pièce en Corée, il y a quelques années. D'accord. Et le succès, ça avait plu hein? Oh oui, tout ouais, à fait. Ça tout avait à bien fait. Reçu, tout hein. à fait. Ce qui est intéressant aussi, parce que j'étais au Japon récemment et j'ai eu l'occasion, j'ai travaillé, j'ai montré ça à des amis. Je pense qu'en plus de cette histoire de chant des baleines dont je parlais tout à l'heure, Crumb a dû s'inspirer des sons, des sonorités qui sont émises par les instruments traditionnels asiatiques, le shamisen. Et les Japonais m'ont dit, c'est fou, en fait on dirait une imitation de d'autres instruments traditionnels. Donc ça les a même un peu choqués, enfin ceux à qui j'ai montré ça, parce qu'ils vont dire en fait, vous reproduisez bizarrement des choses que nous connaissons très bien dans notre musique traditionnelle, la musique qui accompagne le théâtre no ou le kabuki. Oui, il existe une pièce pour violoncelle seule d'un compositeur japonais qui s'appelle... Takemitsu. Non, pas Takemitsu, son nom m'échappe. Mais Mayuzumi, qui fait appel aux mêmes techniques, qui est une adaptation des techniques du shamisen, effectivement. Beaucoup de pizzicati, beaucoup de glissades. Oui, le koto qui est une espèce de sitar
qui est joué à plat. Finalement, quand je fais glisser des choses sur les cordes, c'est exactement ce son-là. Mais oui, il y a beaucoup de recherches de compositeurs se rapprocher des instruments traditionnels, ce qui est intéressant. Ça fait une ouverture par rapport à nous, ce que l'on peut... Nous aimons cette œuvre, nous allons essayer de la leur faire aimer. Voilà, c'est un petit peu notre but et notre espoir. Oui, mais je n'ai pas d'angoisse à ce niveau-là. De toute façon, c'est une œuvre, comme vous avez pu l'entendre, qui était faite avec des techniques qui ne sont pas traditionnelles dans notre jargon, dans notre habitude. Mais le résultat est tout à fait... intéressant, plus qu'intéressant, et très poétique. La fin de l'œuvre est, pour moi, une chose magique. Oui. Mais il y a peu d'œuvres classiques qui terminent aussi bien que celle-ci. Et vous savez, nous acceptons volontiers de faire des acrobaties si le résultat en vaut la peine. Le résultat est... Ouais. Et quelle attente avez-vous pour le public en sortant de ce concert? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il ressente à travers ce que vous avez proposé? La fascination. Oui, la fascination, et puis que certaines fois, enfin, la musique contemporaine est assez perçue comme souvent quelque chose d'un peu agressif et on ne comprend pas. Et là, cette pièce est tout sauf agressive. Donc peut-être qu'ils seront un petit peu interloqués, seront un peu. Et puis le fait d'avoir une ambiance de la lumière. On a parlé de la lumière, on a parlé des masques, mais elles vont être aussi cette pièce pour. Flûte électrifiée, violoncelle électrifiée, piano électrifié. Alors électrifié ne veut pas dire qu'on va se brancher sur 200 volts, mais donc on va avoir un micro, ce qui va amplifier certains effets qui sont vraiment très intimistes. Donc ça va rajouter aussi cette espèce de magie. Et donc voilà, la musique contemporaine n'est pas forcément agressive et incompréhensible. Pour moi, c'est important. Cette musique-là joue essentiellement sur les résonances, en fait. D'où l'importance d'être amplifiée, puisqu'en fait, les résonances vont durer très très longtemps, vont s'atténuer, et il faut que dans la salle, on perçoive cette vibration jusqu'à ce qu'elle s'éteigne réellement. Donc, on a besoin de cette amplification. Oui.